Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va un peu mieux, j'ai retrouvé ma voix. Donc, je vous propose aujourd'hui de faire une vidéo que j'avais déjà promis il y a quelques semaines. Pour les 500 abonnés que j'ai eu sur la chaîne, j'avais dit que je ferais un petit tirage au sort, giveaway d'une montre un petit peu personnalisée, comme j'avais déjà fait une fois à l'époque avec une Vostok que j'avais modifiée un petit peu en changeant la lunette et le bracelet. Aujourd'hui, je vous propose de faire ça avec une Casio et un kit avec une boîte acier et un bracelet acier que j'ai acheté. À part, ça a mis plus de temps que ce que j'ai prévu. J'avais fait une erreur à la commande, j'avais commandé le mauvais kit ici où il n'y avait que la boîte dedans. Il manquait le bracelet. J'ai dû recommander en Chine le bracelet. Il a mis 3 semaines à venir. Il est resté coincé 2 semaines à la douane parce qu'il n'y avait pas de déclaration de valeur dessus. Et voilà, maintenant j'ai enfin tous les éléments. Je vous propose de déballer tout ça ensemble. Ensuite, on se fait le montage. Et à la fin, je vous explique comment participer au tirage au sort si vous en avez envie. Ici, la base de cette mode, ça va être la Casio AE-1200WH. C'est une Casio Royale. Peu importe le modèle qu'on achète pour faire cette mode, puisque l'idée, c'est uniquement de conserver le module ici. J'ai acheté la moins chère que je trouvais. Je crois qu'elle m'a coûté dans les 25 euros. Hein. Voilà, c'est le modèle en plastique noir avec le bracelet plastique aussi. Ici, on a les boîtes qui contiennent le kit qui va nous permettre de faire la petite mode. Ici, c'est donc la boîte. Elle vient avec des joints d'étanchéité. Et si je dis pas de bêtises, il y a encore des vis parce que les vis sont différentes. Ici, on a des vis qui sont des vis acier pour rentrer dans la boîte acier, alors qu'ici, les pas de vis des vis sont complètement différents. Ensuite, il y a un petit kit d'outils qui permet de faire le montage avec. J'imagine que ça ne va pas être de la très grande qualité. Je vais essayer de faire ça plutôt avec les outils que j'ai sous la main. Ici, tout ce qui concerne la boîte. Et là, on a le bracelet dans cette boîte. Voilà, donc un bracelet acier qui a l'air assez sympa. J'ai déjà vu qu'il y avait un petit truc qui me dérangeait. C'est que la boîte est microbillée et le bracelet il est brossé. Pour ma part, j'aurais préféré qu'on ait soit du microbillé, soit du brossé partout, quoi. Je suis pas sûr que le mélange microbillage et brossage soit vraiment les plus réussis. Mais voilà, on va quand même faire cette mode ensemble. Et une fois que j'aurai réussi à enlever tous ces stickers, voilà donc le bracelet. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a des spring bars et aussi le même kit d'outils qu'on a dans l'autre boîte que je vais directement mettre de côté. Et puis donc voyons un petit peu cette boîte ici. Donc ça c'est une boîte qui est aussi renforcée à 1200 Vickers. Donc elle a un traitement de surface anti-rayure. 1200 Vickers, donc le Vickers qui est donc une mesure de dureté. Hein. On a aussi un verre saphir sur cette montre, ce qui est assez sympa. Et ensuite, ici, on a les joints qui vont nous permettre d'étanchéifier tout ça lorsqu'on va faire le remontage. Donc, je pense qu'il y en a deux, mais on n'en a besoin qu'un. Et on en a un de rechange au cas où on redémonte la montre à l'occasion. Ce qu'on peut déjà commencer à faire ici, c'est démonter le module qui est dans cette montre-là. Ici, on a des vis cruciformes. On va voir si le tournevis que j'ai sous la main va convenir pour faire ce petit démontage. Ouais, parfait. Allez, c'est parti. Donc, on pourra garder tous les éléments au cas où on a envie de remonter la montre en modèle d'origine. Donc je vais conserver tous les éléments à part. Par contre, on récupérera le fond. La boîte est vendue sans fond. On récupère le fond en tôle embouti d'origine ici, qu'on va poser sur la nouvelle boîte. Ok. Voilà. Donc ici, en général, on a les boutons qui sont en contact avec des petites tôles qui sont sur le module. Donc, il faut juste faire un petit peu attention quand on sort ça de la boîte. Mais en général, ça vient assez facilement. Voyons voir. Pas toujours évident de faire ça à travers une caméra. Ok, ben ça s'est fait sans souci.
Donc je vais regarder dans quel sens ça va. Ici, on a le module vers le bas. Et on récupère aussi la vitre, la portion en plastique à l'intérieur qui fait les différents cadrans en fait. Alors, voyons voir, je ne sais pas si j'ai le bon outil sous la main là. Il m'aurait peut-être fallu une petite paire de Bruxelles. Voyons voir si j'arrive à le sortir avec ce tournevis sans tout abîmer. Ok. Voilà. Ok. Tout va bien. On va essayer de repasser ça directement dans le bon sens, hein. Donc ici, on a les écritures, World Time, Illuminator. Voilà. La finition de cette boîte est assez jolie. On va bien voir ce que ça donne, si tout est bien ajusté aussi. Alors, voilà. Faire attention de ne pas laisser des traces de doigts à l'intérieur. Pour l'instant, tout est à l'extérieur. Ok, donc le bas de la boîte, il est ici. Le bas du module, il est ici. C'est parti. Là, toujours faire attention à ce que les tôles viennent bien au-dessus des boutons. Alors, c'est possible que je fasse quelques erreurs de montage que je couperai pour la vidéo finale, histoire que ça soit pas trop pénible à regarder. Là, on voit la lumière qui s'illumine là. Alors, est-ce qu'on est bon là? Pas toujours évident de bosser à travers une caméra. J'ai pas l'impression qu'il est complètement au fond. Je vais jeter un petit coup d'œil à la loupe, vite fait. Bon, on a tout semble ok, donc on va pouvoir aller un peu plus loin. Tout semble ok, là, le mouvement, le module, il est à plat. Donc on va pouvoir en passer. On va peut-être mettre le joint en premier. Est-ce que le joint, il faut le mettre plutôt sur la boîte? Ouais, on voit que là, il y a une rainure, hein. On va mettre le joint dedans et voir ce que ça donne. Je vais enlever la loupe et repasser aux lunettes. Bon. Ok, alors. Ce joint n'est pas très très épais. Essayer de le poser comme il faut. Je crois qu'il faut que je repasse la loupe pour vérifier que tout est en ordre. Je vous quitte une seconde. Hop. Tout semble à peu près ok ici. Ok. On va faire attention en vissant le fond que le joint ne bouge pas trop. Ok. Et ici, il va falloir que je récupère les nouvelles vis. On va déjà regarder ce que c'est comme type de vis. On va s'y mettre le fond à l'endroit, donc avec l'inscription Casio dans le bon sens. Ok, on est juste là. Et voyons voir ces vis maintenant. Voilà, donc qu'est-ce que c'est comme tête de vis ici? Ça, c'est des vis à tête plate pour le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit qu'il y a deux vis de rechange en plus, ce qui peut toujours servir. C'est pas toujours facile à faire à distance, hein, à travers une caméra. Ok, je vais m'approcher un petit peu juste pour démarrer mettre la vis dans son pas de vis. Ok. Je vais faire ça pour les quatre vis. Ok, la dernière. Déjà 3. Donc voilà, je visse jamais une vis à fond en fait. Je mets les quatre vis légèrement. Et après, je les serre tranquillement l'une après l'autre. Et je fais le serrage final quand les vis sont à peu près toutes en bout, mais sans vraiment serrer complètement. Donc allons-y. Voilà. Vous savez, je vous aurais bien montré cette action à l'écran, mais vraiment, j'ai plus les yeux de mes 20 ans là. Donc voilà, on a déjà la boîte qui est faite ici. On va passer au bracelet qui a l'air super grand, hein. Alors moi, ce que je propose, c'est que je vais le monter tel quel. Et puis, celui qui aura le plaisir, celui ou celle qui aura le plaisir de gagner la montre, je lui demanderai quelle est la taille de son poignet. Et puis comme ça, j'essaierai déjà de mettre le bracelet à peu près à la bonne taille, en espérant
Ben, quand la personne le recevra, ben, que ce soit directement à la bonne taille. Alors bon, c'est sûr que c'est pas une certitude, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut, quoi. Donc allons-y. Là aussi, il faut pas se tromper le sens de montage. Donc la boucle s'ouvre comme ça, donc le bas du bracelet, le bas de la boîte avec cette portion du bracelet. Ici, on a des spring bars tout neufs. Il y en a aussi 4, donc il y a de quoi faire. Ok, alors là, on l'a déjà vu, il y a un spring bar qui a dû gicler de l'autre côté de mon salon. Donc j'irai le chercher plus tard. Hein. Je vais vous épargner la partie à 4 pattes sur le sol. Je crois que je suis dedans. Ok. Ce coup-ci, on est dedans. Ok. Voilà le résultat final. Hein. Ah, sympa. Ah, il y a encore ces petits autocollants bleus là qu'on va pouvoir enlever pour protéger le polissage des. Les boutons, ah ben là, ils sont déjà partis. Ok. Donc voilà le résultat. Assez sympa. Donc j'en ai commandé deux. J'en ai commandé une pour moi, puis une autre qui sera pour le concours. Si vous avez envie de participer, je vous propose d'écrire à l'adresse mail que je vais faire apparaître à l'écran. Et puis, d'ici 2 ou 3 semaines, je fais le tirage au sort. Peut-être même avant, après, ça dépendra du nombre de personnes. Qui répondront. Hein. Donc l'idée c'est d'écrire par email, c'est pas d'utiliser les commentaires YouTube, c'est d'éviter toutes les arnaques de type contactez-moi, je vous avais gagné via WhatsApp, via Telegram, via n'importe quel moyen. Ce qu'il faut savoir c'est que le jour où je fais le tirage au sort, la personne qui gagne, je vais la contacter par email avec le même email qui sera utilisé donc pour m'écrire, pour participer au concours. Et puis, quoi qu'il en soit, si n'importe qui vous demande de l'argent par rapport au fait que vous avez gagné cette montre, qui vous indique que vous avez gagné cette montre, ce qui n'est peut-être pas vrai, et qui vous demande de l'argent pour l'envoyer ou pour quelconque raison, ça ne sera pas moi. Hein, parce que moi, je vais prendre en charge tous les frais, même si je dois envoyer cette montre de l'autre côté de la planète, tous les frais seront à ma charge. Donc, si quelqu'un vous demande de l'argent, c'est pas moi, c'est une arnaque, c'est quelque chose qui existe, qui est très courant sur YouTube. Alors bon, mon channel, il est d'une taille très très petite, donc pour l'instant, il est encore épargné par ce genre de choses-là, mais on ne sait jamais. Donc, je préfère vous avertir pour que tout ça, que ça reste un plaisir et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se fasse arnaquer au passage. Donc, voilà. La montre est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à participer, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!